je suis Chrono Tissile Lupina pour une vidéo construction. Ça change, n'est-ce pas? Alors, c'est un projet un terrain si youtubeuse. J'ai appelé ça comme ça. Je sais pas vraiment le nom que ça aura parce que je tourne mon intro en avance. C'est un projet qui a été imaginé par Miss Anew et en fait, elle a délimité un terrain avec 6 maisons et on est 6 youtubeuses à faire notre maison sur un emplacement précis. Donc ça rend un truc assez sympa puisqu'on a toutes des styles différents. Tous les liens des vidéos des youtubeuses sont dans la description ainsi que sur le petit quelque part par là. Et si vous voulez aller voir leur maison, bah allez-y, foncez. Je vais vous montrer ma propre maison sur cette vidéo et je vous invite vraiment à aller voir les autres et éventuellement vous abonner si vous ne les connaissez pas encore. Et bah c'est parti, on y va. Et voici donc ma maison dans un style moderne. Vous voyez à gauche celle de Missa et à droite un peu celle d'Elancia. Je vais essayer de pas trop vous les montrer. Comme ça vous allez aller voir leur vidéo. Wesh. Je vous montre un peu le tour de la maison. Je suis désolée, il y a des arbres qui se sont un peu incrustés là. Donc je vais vous faire la visite et je me suis dit que ce serait sympa si je faisais en fait en sorte de faire comme si j'étais un Sims. Et on va faire la visite comme ça. J'espère que ça n'a pas planté parce que ça fait 3 fois que je refais la vidéo parce que ça n'a pas planté ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Donc voici l'entrée de ma maison. Et dans la maison, j'ai mis une Simset que j'ai faite qui s'appelle Liel et qui est bourrée de CC. Voilà, vous savez tout. Oh, une lumière, c'est tellement intéressant. Voilà comment se tient l'entrée. Là, la porte en verre donne sur un bureau, mais on ira après. Le coin télé. Donc la maison comporte 2 chambres et vous pouvez aussi avoir des animaux. Puisque j'ai mis de quoi en avoir. Alors, la cuisine bleue. Je me suis bien éclatée sur le dallage. Et je me suis bien éclatée à faire ces étagères de merde. Parce que fallait que je mette des murs, que je les enlève. Et je voulais aussi foutre plein d'objets dessus. Mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait rien mettre sur ces étagères. Voilà, étagère inutile encore une fois. On adore. La salle à manger et la terrasse, on ira aussi tout à l'heure. Je veux avant tout vous présenter ce petit recoin. Oh là là, une porte! C'est une porte qui donne sur des toilettes isolées. Je sais que certains de mes abonnés adorent les toilettes isolées. Donc voilà, c'est pour vous, bisous! Je me suis amusée à mettre des petites décos partout. On va aller dehors. Le jacuzzi, n'est-ce pas? Et un coin pépouze, tranquille le canard, hein, barbecue et compagnie. Je vous montre le bureau et on va ensuite aller à l'étage. Et voici le bureau. Donc je me suis vraiment amusée à mettre de la déco partout, à essayer de faire quelque chose de sympa, qui change un peu. Là, j'ai mis 2 bibliothèques l'une dos à l'autre et ça rend plutôt bien. Donc voilà le bureau. J'espère que la maison vous plaira en tous les cas. Hop, c'est magique! Donc ici, alors je sais pas trop spoil, on a un balcon. Putain, on voit trop la maison d'Elantia, je suis navrée. Bon, Elantia va pas trop m'en vouloir. On a un balcon, voilà, on va pas y passer trois plombes, pardon. Et là, en fait, je me suis dit, au début, j'ai essayé de faire une salle de jeu, mais c'était horrible.
Et du coup, j'ai fait une salle dressing avec les produits beauté, tout ce que vous voulez, là, tous les trucs machin. C'est la salle beauté. Avec un dressing quand même assez sympatoche. Le couloir, bon, il est simple, hein, le couloir, mais bon. En même temps, c'est un couloir, quoi, que je voulais que je vous dise. Là, il y a une première chambre. Alors oui, donc là-dedans, soit vous pouvez mettre peut-être un couple avec leur adolescent ou leur enfant, soit vous pouvez mettre des colocataires aussi. Ça donne sur la terrasse. Donc la terrasse en hauteur, voilà, plein de bougies. Je me suis éclatée avec les bougies, hein. On peut espionner nos voisins, pépouzes. Et du coup, ça donne aussi sur l'autre chambre, qui est bleue et blanche. On retourne dans le couloir pour la dernière pièce, qui est une salle de bain. Voilà, rien d'exceptionnel, c'est une petite salle de bain mignonne, il y a les machines à laver, il y a du bordel, il y a tout ce qu'il faut. On va se laisser sur Liel, qui a l'air heureuse d'être contente, hein, tant mieux pour elle. J'espère que la maison vous aura plu. Mais Liel, reviens, je suis en train de parler! Bon bah, on va finir sur le canapé vide où il y avait Liel. Qui s'est cassée parce qu'elle voulait pas être filmée. Connasse, va. Et voilà, j'espère que la maison vous aura plu. Regardez les autres maisons qui sont dans la description, que les autres youtubeuses ont fait. Et j'espère que le projet et l'idée vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le dire directement à Miss New parce que c'est son idée. Sur ce, je vous envoie plein de cœurs et paillettes et salut!